Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve un peu pour la traditionnelle vidéo routine d'automne, donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker, à me rejoindre sur tous mes réseaux et à regarder jusqu'au bout parce que je vous annonce un peu un petit projet surprise dans cette vidéo, donc let's go! Petit plat de pâtes. Je suis en train de m'enfumer la tête et j'ai toujours pas lavé ma passoire, donc ça va manger des pâtes à l'eau avec plus d'eau que de pâtes. Donc ce petit plat m'a pris littéralement 10 secondes à faire. Pâtes, pesto, un petit peu de crème fraîche, petit pois, tomates séchées et tomates normales et des petites herbes, voilà. J'ai un énorme bouton là, je suis explosée, mais on va manger. Petite gnocchi, petit pois, pesto, c'est vraiment mon plat fétiche. Ce soir j'ai vraiment envie de passer ma soirée chill dans mon appart, j'ai vraiment très peu de temps en ce moment pour moi et surtout pour mes projets, genre notamment YouTube et tout, mais de toute façon je vais vous en reparler très prochainement. Mais c'est pour ça que j'ai autant de retard sur mes vidéos, que mes vidéos sortent pas du tout au moment prévu. C'est tellement frustrant et juste j'avais trop envie de faire une petite routine comme ça, parce que c'est une routine que je fais tous les ans, ma petite routine d'automne. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal à me mettre dans le mood cette année parce que je cours partout et j'ai pas forcément le temps de me poser le soir et de prendre soin de moi, comme entre guillemets mentalement et physiquement, en témoigne mes cernes. Ce soir on va enregistrer mon premier épisode de podcast. Oui, parce que je lance un petit podcast. Je sais pas si, non ce sera pas sorti quand vous verrez cette vidéo, si je ne suis pas en retard sur mon programme de vidéo. Je vous ferai une vidéo où je vous explique un peu tout, enfin bref, tout sera très prochainement annoncé. En attendant, je vous donne déjà le compte Insta si vous voulez aller voir, c'est Chin ici. Et voilà, vraiment c'est un beau projet que j'ai et je suis hyper contente de lancer ça, j'ai pas trop envie de vous en dire trop. Mais tout est fait homemade, donc je vais l'enregistrer ce soir, j'ai un bon micro et tout. Juste je sais pas utiliser le logiciel pour enregistrer, donc je vais pense appeler Céleste. Honnêtement après l'épisode je sais pas si j'aurai la force de genre faire autre chose, mais j'aimerais bien quand même créer un peu de contenu, mais je vous avoue que je suis épuisée. Et je vois à quel point genre avec le retour du froid, enfin en vrai il fait pas si froid que ça à Paris, genre ça va. Avec le manque de sommeil et tout, ça affecte mon moral et je suis plus vite déprimée. On va enregistrer. J'espère qu'en tout cas ça vous plaira. Bon appétit. J'ai fait une sieste de 30 minutes parce que j'étais vraiment trop fatiguée. Et là, je vais essayer de mettre en place mon setup si j'y arrive pour le podcast et d'enregistrer. Ranger un petit peu tout. Je viens de terminer de filmer, je vous ai pas montré parce que j'étais en grosse galère, j'ai appelé Céleste et tout. Mais je vais vous montrer mon petit setup parce que je me suis posée dans mon lit et c'était trop trop cool. Et voilà, j'ai enregistré mon premier épisode de podcast. Vous êtes les premiers au courant, j'espère que vous kiffez. Ne me demandez pas pourquoi il y a une boîte de lentilles, mais moi je sais pas. Donc là voilà, petit setup et petit bordel parce que j'ai dû tout mettre en bazar. Donc là je pense qu'on va faire c'est vraiment ranger parce que c'est bien. Pour avoir un environnement vraiment propre, surtout que Céleste vient dormir demain à la maison. Et une fois que j'aurai rangé, je vais genre... Non, avant de ranger je vais appliquer mon masque pour les cheveux, comme ça je me laverai les cheveux après. Je vais essayer de prendre un petit peu soin de moi ce soir et je vais mettre la vidéo de Stelle où elle parle de sa relation de couple en background parce que ça m'intéresse de ouf. Donc voilà. Sacrificed herself for you, and that kind of act.
impact leaves a mark. No, no. This kind of mark cannot be seen. It lives in your very skin. What is it? Love, Mary. Love. Et voilà, cette petite routine très courte, très simple est terminée. Si je vous ai manqué et que vous avez encore plus envie de me voir parler, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et à me rejoindre sur mon compte Insta normal et puis le compte Insta du podcast, ainsi que mon TikTok. Voilà, faites la tournée. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Passez un bon automne. Bonne chance pour ceux qui travaillent, bonne chance pour ceux qui ont cours, bonne chance pour ceux qui ont aucun des deux, mais qui... Je sais pas, mais bonne chance quand même. Et puis je vous fais des gros bisous. Bye la mif.